de Jacques Dupont. Alors, je croyais qu'il y avait l'ancien député, il n'est pas là, donc je ne le dis pas. Monsieur le maire. Madame la présidente de l'association des Aides Patrimoine. Monsieur le président de l'association du Mino Club. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Ah oui. À la fin, les stars. Madame Morette. Clément Morette nous regarde de là-haut. Avec. Aidez-moi. Monsieur Seurat, on fait passer le Tour de France. Merci. On a une petite pensée pour eux. Bon, il y en a bien d'autres. On fait les actes, mais on ne peut pas tous les citer en si peu de temps. Chers les Atois, chers les Atoises, chers invités, merci d'être ici pour honorer les valeurs de l'Olympisme. Monsieur Akaïn, champion paralympique, Athènes 2004. Monsieur Moncassin, avec un palmarès aussi impressionnant, entraîneur de l'équipe de France, qui est dans pas 96 et 2008. J'ai bien révisé, c'est bon. Et oui, j'ai eu l'honneur de porter la flamme olympique à l'occasion des JO de Paris 2024. C'était le 15 mai à Cirey, dans les Pyrénées-Orientales. L'édition 2024 est particulière. 128 ans après l'avènement des Jeux modernes. Retenez bien cette date, ça va vous servir pour le quiz qui a lieu après. En effet, cette édition s'inspire du souhait de Coubertin de revenir aux sources des Olympiades et honorer le sport, bien sûr, mais aussi les sciences, les arts et les lettres. Et je suis très heureuse, c'est dommage que M. Cournet ne soit pas là, mais je remercie M. Cournet, je remercie Mme Magnier, merci à vous de me permettre en cette journée d'hommage à Jacques Dupont, que j'ai eu la chance de rencontrer dans ma maison de famille il y a quelques années. Il a été champion olympique en 1948 à Londres, à titre individuel, obtenu la médaille d'or, mais j'ai découvert cette semaine aussi à titre, on va dire, collectif, il a eu une médaille de bronze en équipe, la même année. Aussi aujourd'hui, il paraissait tout naturel de partager un espace d'échange sur ces valeurs de l'Olympisme avec le soutien de Paris 2024. Celle qui guide ces valeurs, celle qui inspire de nouvelles générations. Bon, dommage, les petits ne sont pas là, mais il faudra leur transmettre. Elles sont essentielles dans nos comportements familiaux, personnels, professionnels. C'est celles qui nourrissent l'éthique, au sens grec, de l'éthos, qui signifie la stabilité des mœurs et du comportement, car il en faut du travail, de l'énergie, de la ténacité, mais aussi du courage pour se dépasser. Aussi, l'édition des JO de Paris 2024 honore les énergies du sport, bien entendu, mais aussi les énergies des territoires, de l'excellence, de l'innovation et de l'entrepreneuriat, et bien sûr l'énergie de la solidarité. C'est pour ça que j'ai accepté de porter la flamme, comme trois autres Ardégeois, et que j'ai dédié mon relais à la paix. À la paix qui est une autre grande valeur que l'Olympisme, qui se naît le ciment. Et on en a besoin de la paix. Les valeurs de l'Olympisme ont aussi des racines grecques et chrétiennes. Et elles transcendent l'espace et le temps, peu importe les organisations qui les portent. Elles vivront après nous. Alors, pour mieux comprendre ces valeurs, j'invite à me rejoindre deux champions ariégeois pour participer à cet échange. Et je vous propose un tonnerre d'applaudissements pour Michel Akaïn et Frédéric Moncassin.